Yo les mecs, c'est Nadra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo en ce 2 janvier. Petit aparté les gars, c'est la première vidéo en 2020. Donc je vous souhaite à tous une bonne année, voilà, meilleurs vœux, que vos projets se réalisent. Voilà, tout simplement, comment dire, bonne santé, tout ça, et le reste vient avec. Donc voilà les gars, aujourd'hui l'épisode 2. Du Paris Saint-Germain en Dominos League 2 lors du premier épisode. Rappelez-vous, on avait joué Niort, on avait gagné 1-0 chez eux et au Parc. Malheureusement, on avait perdu 2-0 face à Clermont. Donc aujourd'hui, les gars, on va jouer le Havre au Parc des Princes et on va jouer Nancy en Coupe de la Ligue au premier tour. Donc voilà, ça m'a fait un peu marrer quand j'ai mis Nancy. Voilà, mes deux clubs préférés qui vont s'affronter. Donc les gars, au niveau des transferts, je vous ai demandé de me donner des joueurs. Alors, Eduardo Camavinga, j'ai envoyé une offre de prêt à Rennes. Camavinga qui est en train de tout exploser hein, cette saison en Ligue 1. Voilà, j'ai envoyé une offre de prêt. On va voir si vous l'acceptez. J'espère en tout cas, parce que j'aimerais bien tester Camavinga, parce que je l'ai pas encore testé dans le jeu. Ça, c'est pour la saison prochaine. Je me prépare un peu pour la saison prochaine. Ensuite, j'ai envoyé des rapports. Donc, je vais voir si les joueurs sont intéressants. Alors, Lopez, Banza, Bonnet, Boudjema, Cabral, Demingue et Diaby Fatiga, le voleur de montre. Entre parenthèses, non, sans déconner. Donc, c'est parti. On va le jouer face au Havre, les gars. Allez, c'est parti tout de suite. Donc, j'ai descendu Del Castillo et Fulgini. J'ai descendu d'un cran. Je les ai plus mis AG et AD. Je les ai mis MG et MD. Parce que voilà, ils montaient un peu trop haut. Et comment dire, ça. Bah, ils étaient fatigués de faire les gros allers-retours. Donc là, ils vont être un peu fatigués, évidemment, parce que c'est seul dans les couloirs. Mais ils vont faire moins d'allers-retours. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti, face au Havre, au Parc. Allez, Parc des Princes, PSG, face au Havre. Allez, c'est parti, tout de suite. Donc, il y en a plein qui m'ont dit en commentaire, les gars, que Maja et Souk, bah, ils avaient pas très bien joué, hein, clairement, face à Niort et Clermont. Je suis d'accord avec vous. Donc on espère qu'ils vont se rattraper, hein, qu'ils vont mieux jouer. Souk, enfin, peut-être que le temps qu'ils s'attapent de Ligue 2, parce qu'ils viennent de tous les deux de Ligue 1. Donc je sais pas, allez, Souk, ah dommage. Donc les gars, le Havre, ça va pas être facile à jouer parce que c'est une très belle équipe de Dominos League 2. Bien joué, je fais le génie. Allez, fais le génie pour Amine Bassi. Bassi qui peut rejouer à Fulgini, c'est plutôt bien joué. Le centre de Fulgini contré, dégagé en touche. Ok. La composition de l'équipe du Havre, schéma classique. Ouah, Koulibaly quoi, laisse tomber. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Allez, Tino Kadewere, le meilleur buteur à hein, la Ligue 2 en IRL. Il a 17 buts, je crois. Un ballon pour l'adversaire. Ah, la Souk donne là. Ah là, ils sont lents, mes attaquants. Soit Souk et Maja, j'ai remarqué ça justement hein, en voyant vos commentaires, c'est vrai que je me suis redit dans les matchs de Saint-Niort et Clermont, qu'est-ce qui mettait comme temps à se retourner pour donner le ballon. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Attention, Thiaré, Thiaré, Thiaré avec Tino Kadewere. Un jeu Camara. Oh là 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 là. Attention. Tino Kadewere le centre. Oh, je bloque. J'ai appuyé sur aucune touche. Mais vraiment, j'ai appuyé sur aucune touche, les gars. Mais non. Penalty, j'ai appuyé vraiment sur aucune touche. Oh, ça a coûté. Oh putain, je suis content. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu quelque chose. Que moi, vraiment, j'ai appuyé sur aucune touche. Vraiment. Bon, pénalty raté de Kadewere. Ok. Bon, franchement, j'avoue, ça m'aurait foutu un seum, mais grave. Allez. Allez, c'est peut-être un tournant. Peut-être un tournant dans ce match. Allez. Pénalty raté de Kadewere. Allez, Souk avec Josh Maja qui peut tenter d'écarter sur Fulgini. Dans la surface, Fulgini qui peut centrer. C'est repoussé. C'est mal repoussé. Souk, la tête pour Del Castillo. La parade de Gorgelin. C'était bien joué, dommage. Allez, bien joué, les gars. C'était plutôt bien joué.
Del Castillo avec le sang dessous en direction de Josh Maja, capté par l'ancien gardien lyonnais Corgelin. Bien joué, Badiachil, les gars, hein, vraiment une grosse recrue. Hein, je suis vraiment content de l'avoir. Il est très bon en défense. Les sous, quoi, ils sont tous dans leur camp. Quoi, c'est... Je ressorte le ballon. Aouchiche avec Josh Maja qui peut rejouer Aouchiche. Aouchiche pour Maja! Dommage. Et on est là dans les duels, bien joué d'Agba. Il s'avance vers la surface. Allez Souk, oh là, moi espace de Souk, on a toujours le ballon. Oh là, on l'a pu. Qu'est-ce que... Ouais mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils sont vraiment tous derrière quoi, c'est... Le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faut... Oh là, mais qu'est-ce que c'est moche ça par contre, dans le fait avant cette année, les joueurs qui font que de courir tout droit dans les couloirs. Alors j'ai... Là... Alors là, il n'y a pas faute. D'accord. Là, il n'y a pas faute. Ok, tranquille. Pape Gay avec Alexandre Bonnet, le centre, bien joué Kwasi. Ouais, ça sort pas Badiachil, hein. Bien joué. Del Castillo. Oui, en termes de possession pure, c'est vrai, les deux équipes sont... Allez, fais un appel Maja. Voilà, allez. Allez Maja. Oh là là là. Normalement il est plus rapide hein, mais bon il passe pas devant. Allez, le corner. Très par Del Castillo au premier poteau, repoussé. Ça revient sur Colin Dagba qui va centrer. Il me semble qu'il y a une main de Koulibaly là. Il me semble quand même qu'il y a une légère main de Koulibaly. Je vais voir ça au ralenti après. Alors voilà, attendez. Je vois. Alors super, un but. Je vois le départ de l'action. J'ai activé les mains, les gars, pour vous dire en plus. Hein. Oh là 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 là. Ça m'énerve, ça, les gars. Voilà, il y a main, il y a une énorme main. Et ça se finit par un but. Sur la contre-attaque. Ouais. Bon, c'est. Que voulez-vous? C'est moche, hein, mais bon. C'est malheureusement comme ça. Fulgini, ouais, mais le Koulibaly, mais n'importe quoi. Hein. Le mec, tu peux vraiment pas le passer. Ah, mais regardez, ils sont vraiment tous derrière. Je peux pas passer quoi. Oh là là là. Ce qui m'énerve, les gars, vraiment. Bon, faut que je me concentre dans mon match, mais ça me sort, non, ça me sort du match. Ça, des trucs, des délires comme ça. Là. Et le mec a une énorme main. Et l'action, le mec il siffle pas. Et l'action a se fini, but. C'est vraiment... Enfin, c'est abusé quoi. Gay. On peut trouver une option disponible. Un centre est contré par le défenseur. Le tireur qui a visé à la zone du point de penalty. Bon les mi-temps, vous allez peut-être dire que je suis rageux, mais 1-0 sur un but qui n'a pas lieu d'être, hein, clairement l'arbitre, merci. Ah là, c'est chiant ça les gars dans le jeu malheureusement. Tu ne peux rien faire, et je suis désolé les gars, hein, vous de me dire en commentaire, mais il y a une énorme main clairement, et voilà sur l'action de derrière, enfin sur la contre-attaque il marque. C'est malheureusement comme ça, bah, je vais essayer de pousser pour revenir, mais bon, ça me fait chier quoi, des trucs comme ça. Ça circule sans problème, bonne conversion. Bien joué. Allez, Maja avec Souk. Souk, il est passé. Souk, oh là là, et puis le retour de Barnabas Becce qui dégage en touche. Dégager ce ballon. Essaye de trouver la faille. Maja qui va essayer de centrer, c'est capté par Gorgelin. Bien présent sur le centre. Allez Souk, bien joué avec Del Castillo qui peut donner à Souk. Souk!
Oui! On est rentré! Allez, égalisation du Paris Saint-Germain, les gars! Oh, je sais pas comment il est rentré, Souk. Est-ce que ça va être accordé à Souk? Est-ce que ça va être accordé face à contre son camp? Le ballon rentre au ralenti, frappe de Souk contrée. Et le ballon qui rentre au ralenti dans la cage, c'est accordé à Souk. Allez, égalisation, 56ème minute, Souk Yunjun. Allez, parfait. Parfait. Un partout. Allez, faut continuer. Attention, Alexandre Bonnet. Avant, je me suis dit, le ballon va pas rentrer parce que vraiment il est au ralenti. Mais je me suis dit, ça va passer à côté. Bah non, ça rentre au fond des filets, enfin un peu de chance. Le centre, bien joué d'Agba. La Roma qui a fait une acquisition dont on a beaucoup parlé et qui a été confirmée. Ah, on sait pas vraiment. Ah, vas-y, je le savais qu'elle a donné là. Mais je peux vous dire, c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Complètement raté cette passe. Allez, Maja. Maja, donne-la Maja, s'il te plaît. Eh bien, il retrouve la possession du ballon. Il cherche des solutions, là. Koulibaly. Ouais, il a bien lu le jeu. Allez, Amine Bassi pour Fulgini. Allez, Fulgini. Ouais, mais Koulibaly revient à une vitesse. Bien joué, Bassi. Allez, Josh Maja, 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 Maja. Corner. Pris par Mayembo. Quand Lol Castillo, pas d'Achille. Allez, ça revient sur Lol Castillo qui peut recentrer. Capté par Gorgelin. Joue Kwasi. Attention, Dina. Dina. Donc Koulibaly, 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 il va obtenir un corner. Allez, 73ème minute de jeu. On va faire le tir le corner. Bon, on va faire un changement après. Le corner. Il y a quoi? Ok, il y a coup fort pour nous. Ok, on va faire sortir Maja, les gars, qui a vraiment pas été bon hein, dans ce match, malheureusement. On va faire entrer Kalimuendo à sa place. Le petit jeune. Qui bien sûr espère avoir fait le bon choix. Allez. Bassi. Kalimuendo avec Souk. Souk. Oh là là. Vous avez vu l'agressivité qu'ils ont, c'est incroyable hein, les mecs. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Bien joué Ouchiche. Allez. Allez Souk, on a vu l'appel de Kalimuendo. Oh là, mauvaise passe de Souk malheureusement. minutes, ça va trembler des deux côtés maintenant. Un but serait synonyme de victoire pour l'équipe. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ouais, coéquipier n'avait pas compris. Oh, elle est un peu longue pour Bassi. Bien joué. Oh, la faute, j'ai la donnée en profondeur. Kalimuendo. Réfléchis avant de faire signe au quatrième arbitre, mais là c'est décidé. Allez, Kalimuendo, Kalimuendo. Oh, vas-y, mais. Et lui, le défenseur, il rien de passe, hein, c'est ouf. Gay, Amos Yuga. Il n'hésite pas à venir chercher les ballons un petit peu plus bas, histoire de créer un peu de mouvement. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le. Oh, mais ils arrivent à se faire des passes, quoi, c'est. C'est pas bien fait. Non, Badiachil. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Il centre vers ses partenaires. Allez, le centre, mais. Allez, Souk. Avec Kalimuendo. Kalimuendo qui va tenter d'envoyer Souk. Allez, Souk. Attention parfaite, hein. Bonne anticipation. Il y aura 2 minutes. 2 minutes d'arrêt de jeu, les gars. Bien l'impression qu'on va se terminer sur. Ce match va terminer sur un match nul. Allez, pourquoi pas la dernière? Allez. Allez, Souk qui se retourne pour Madi Camara. Mais jouez, mais fait, incroyable où je suis! Ah là 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 là, l'arbitre quoi!
Bon bah les gars, un partout score final, voilà, selon moi un vol, hein, bah, selon moi un vol, hein, parce que quand même voilà la main en première mi-temps. Mais bon voilà, c'était pas un match fou, 2 tirs pour nous, 3 pour eux. Un partout score final. Dites-moi en commentaire pour vous les gars, c'est un scandale, hein, clairement pour moi il y a main, hein, pour moi il y a une grosse main. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on fait quand même un partout, ouais, c'est cette belle formation du Havre. Un peu d'utilisateur de souk. À la mi-temps, pensiez-vous que le nul était possible? Oui, je m'attendais à prendre un point. Notre niveau de jeu est inquiétant. Je misais sur une victoire, en fait. Je parle des supporters, c'est tourner une victoire. N'énerve pas trop au terme, meilleur, moins bon. Retenir la leçon de progresser. Retenir la leçon de progresser, je vais mettre. C'est un bon joueur. Ok, bon. Fin du match, Souk arrache le nul contre l'adversaire. Alors Hugo Bonnet, Camavinga prêté. Ok, yes, ça c'est cool les gars. Eduardo Camavinga nous est prêté. Bon, on va simuler les entraînements. Et on va se diriger vers le match de Coupe de la Ligue face à l'AS Nancy-Lorraine. Ok, Boulka 67, Bassi 70, pareil 70 pour Maja. Maja, on espère le voir un peu plus. Parce qu'il n'a pas été bon du tout hein, face au Havre. Josh Maja. Donc c'est parti les gars. Nancy. On va tester Eduardo Camavinga dans cette rencontre. On va se mettre en bleu. On va les mettre en rouge et blanc. Boulka en défense. On va faire tourner. On va mettre le petit Mbesso. Aouchi, je vais sortir. On va mettre Camavinga. Et puis bah devant ça va rester pareil hein, juste ouais on va rester comme ça. Aouchi sur le banc. Kalimuendo sur le banc. Donc voilà, c'est parti les gars. Face à la Nancy Lorraine. Allez, la petite musique de la Coupe de la Ligue, les gars. Salut tout le monde, du spectacle pour Havre aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Attendez, je vais vous la mettre. Avec nous, Hervé Matou et Pierre Ménès. Si je peux, parce que j'ai pas vraiment de connexion là. Et voilà les gars, la petite musique de la Coupe de la Ligue, cette coupe malheureusement qui ne sera plus là la saison prochaine, coupe que j'adore, hein. La Coupe de la Ligue, j'avais été voir notamment avec Arthur, Timéo et Alan, je vous ai fait un vlog hein, d'ailleurs, quand Nancy cet été, au mois d'août, elle ne sera plus là la saison prochaine malheureusement, bah c'est parce que son ancien club en plus aujourd'hui, il est hors jeu. Ok. Bon les gars, on va essayer de faire un tour de coupe. J'aimerais bien quand même, enfin c'est pas un objectif évidemment hein, la Coupe de la Ligue, mais si on peut passer un tour de plus ça serait bien quand même. Bien joué Boulka. Je crois qu'il allait pas sortir, pour ça j'ai vais... Ça m'a un petit peu inquiété. Alors on va tester Eduardo Camavinga, les gars jamais testé dans le jeu, hein, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Allez Souk, on a vu Bassi par dessus, Bassi qui est très en jambes, il a envie de marquer son ancien club apparemment. Allez la perte de balle, Maja qui donne mal ce ballon. La meilleure solution c'était de dégager, il a eu raison. C'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Et Vincent Muratori avec Wagner, l'homme de cette équipe de Nancy, qui est blessé en ce moment même. Je crois qu'il va revenir sur les terrains au mois de février. Si je dis pas de conneries, j'étais peut-être une grosse connerie, hein, mais il me semble. Allez, Souk, Souk. Allez, Angelo Fulgini avec Amine Bassi face à Wagner. Les deux anciens coéquipiers. Wagner qui revient hein, bien sur Amine. Et Bassi qui repasse devant. Le centre pour Josh Maja. Ça revient sur Fulgini. C'est but. C'est but.
Angelo Fulgini qui ouvre le score, 13ème minute de jeu, la petite photo de groupe en célébration. Avec Souk, Del Castillo et Josh Maja. Voilà le centre, Maja qui manque complètement sa reprise. Et. Enfin, alors, déjà, Basic avec pas le ballon au départ. Le centre, Maja qui manque sa reprise, ça va sur Fulgini. Qui lui ne manque pas sa reprise de volée. Et ouvre le score. Allez, 1-0 les gars. Dès la 13ème minute de jeu, c'est parfait. On entre bien dans ce match. Perte de balle du petit Wagner. Et ça fait 1-0. Allez, Maja qui récupère. De l'engagement, Maja. Bien joué, Madi Camara. Allez, Eduardo Camaminga. Bien joué ça pour Romain Del Castillo. Del Castillo, il est passé. Del Castillo, la frappe. Et le 2-0. Le 2-0 à la 7ème minute de jeu. Moi, pour le moment, les gars, les Nancy Lorraine, ils sont pas du tout dedans. Hein. Clairement. Del Castillo avec des passements de jambes qui rentrent intérieur, la frappe au premier poteau qui trompe Baptiste Valette ou c'est Sourzac, hein, je sais pas qui ils ont mis au but. Bon bah 17ème minute les gars, 2 buts coup sur coup, 2-0. Bon bah c'est parfait, hein. Là Nancy ils sont pas du tout dedans pour le moment. Attention, Donaendo, bien joué Badiachil. Allez Maja. Souk qui peut rejouer à Maja. Dommage. J'ai l'impression que Wagner joue arrière gauche, c'est bizarre quoi. Pas trop de solution pour Maja. Il va revenir derrière avec Eduardo Camaminga. Bah si, dommage. Attention, Donaendo avec Ousmane Sissoko, l'ancien joueur d'Orléans. Ousmane Sissoko qui est parti dans le couloir. Sissoko. Il faut qu'il centre là. La tête capté par Bolka. Ok. Alors on va essayer de jouer rapidement. Pour Josh Maja, ça ne passera pas. Il y a une faute. Il y a une faute apparemment sur Maja. Allez, Eduardo Camaminga. Essaye de trouver la faille. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas ça joue très très bas. Kevin Bassi pour Souk. Et la parade de Baptiste Valette. Corner à suivre, frappé par Romain Del Castillo. Il est pas bien tiré. Je dis de la merde, il était bien tiré. Pourquoi je dis il est pas bien tiré? Fulgini. Ce sera un nouveau corner. Provoqué par Loris Neri, le corner de Del Castillo, la tête de Badiachil. Ça finit à côté, dommage pour notre capitaine. Ça passe loin du cadre quand même. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, il a vu le départ de Maja, bah si, bien joué. George Maja, Pidunga qui va sauver la maison nancéenne. Et Wagner, oui, on le voit complètement, on le voit pas du tout hein, dans ce match. Pour le moment, les Souk, ah, j'aurais tenté de me retourner, j'aurais dû faire un drag back pour me retourner mieux, je pense. Allez, Mbesso, Kamavinga, dommage. Ah, Camara. Ça présente assez bien pour les Parisiens, même si la marge est toute petite au tableau d'affichage. Attention, Wagner. Wagner. Wagner, il est passé. Allez, un centre. Wagner, et le retour de Benoît Badiachil, il obtient même la touche. Bien joué, Benoît. Oh, je vous dis, je kiffe un hein, Badiachil. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Camara. Allez, Madi Camara. Ah, la passe ratée de Camavinga, dommage. Sion, Donaendo avec Sissoko. Sissoko, il y a hors-jeu de Loris Neri. Et heureusement, sinon derrière ça faisait but de Wagner, hein, à mon avis. C'est pas à mon avis, hein, c'est sûr. Quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Angelo Fulgini.
Allez, Fulgini avec Maja. Maja qui va tenter de rejoindre Fulgini, c'est bien joué. Fulgini en retrait pour Amine Bassi. C'est contré la frappe de Maja. On a volé ensuite. Ouh, elle passe à côté. Elle a été clairement bizarre, les gars, cette volée. Avec le rebond, elle passe à côté. Bon, mi-temps, on mène 2 à 0. Un but de Fulgini à la 13e. Et un de Romain del Castillo à la 17e. Donc, nos deux ailiers qui ont marqué. Allez, c'est reparti. Ah merde. Je perds le ballon trop facilement là. Ouais, bien joué. Allez, Del Castillo. Del Castillo avec Souk. Souk qui peut centrer. C'est repoussé par Bidunga. Ouh là 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 là, quelle perte de balle. Del Castillo avec le roulé Madi Camara contré. Ah, il faut quand même, les gars, des mauvaises relances hein, derrière les Nancéens. Josh Maja. Maja. Maja qui se retourne pour enchaîner par une frappe. Mais c'est trop gentil ça, Maja. C'est tranquillement capté par Valette. Allez, Wagner, il va aller très vite dans le couloir. Il va rentrer intérieur, Wagner. En retrait. Pff, heureusement que c'est mal donné. Pogba à la Juve dans ma carrière, d'accord. Allez, Souk. Souk. Oh, je fais n'importe quoi. Là, je fais n'importe quoi pour le coup. Mon pressing de Souk, 6 mètres. Allez, en train de Vincent Marchetti à la place de Kenny Rocha Santos. Tête de Camavinga, bien joué. Allez, Maja. Avec Sou qui peut le redonner à Maja. C'est vraiment mal donné. Faudra que s'améliore quand même à la passe, hein, mes attaquants. Les Souk. Souk. Le centre à rater devant le but. Repoussé par Loris Neri. Ousmane Soko, bien joué Camara. Oula, ils se font des passes un peu bizarres. Ça passe pour eux. Son Donendo, Serge Nguessan. Non, elle est interceptée cette passe. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Allez, bah si, Yamil, le crochet, bien joué. Va pouvoir donner à Romain Del Castillo. Del Castillo pour Souk. Oh là 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 là. Ah, il y avait hors-jeu. Je savais pas s'il y avait hors-jeu, je tentais. Souk avec Bassi pour Maja qui peut rejouer à Souk. Souk, la frappe contre par Bidunga. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Allez, il est frappé par Romain Castillo. Il est bien frappé. La tête de Badiachil. Ça finit à côté. À notre capitaine, ça fait deux fois qu'il arrive à mettre sa tête sur un corner. Ça passe de peu à côté à chaque fois. Wagner, Wagner, Nguessan, Nguessan. Attention, se sort la tête de Donendo qui finit au-dessus. Je crois que c'est une des premières occasions hein, dans ce match pour Nancy qui a vraiment du mal, hein, les gars, à se créer des occasions. Salut aussi sur sa Valenciennois qui remplace Vincent Muratori. Josh Maja, il peut donner à Souk. Souk qui peut retrouver Maja. Maja, il a vu l'appel de Souk. La frappe de Souk. Oh, la barre transversale. La barre transversale de Souk. Dommage. Ouh là 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 là. Ouf, ils s'en sortent bien.
Parce que j'avais anticipé, bien joué Souk. Del Castillo qui peut centrer. Repoussé par Ernest Seca, pardon. Il dégage. On est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe, vraiment. Ouais, très fort ce qui est en train de réussir le PSG dans ce match. Sur Wagner. Wagner. Ouais, il a vraiment du mal, hein, Wagner, les gars, dans cette rencontre. Heureusement pour nous, hein, d'ailleurs. Parce que ça aurait été plus compliqué s'il était en forme. Ça a pas l'air de l'être. Allez, Neri. Neri, bien joué Kamavinga. Allez, Souk. Oh là là là, c'est mal donné. Dommage. Bon, les 89e minute. Ballon dans les pieds d'Anciens, Donaendo. Avec Marchetti qui frappe, capté par Massin Bulka. 2 minutes d'arrêt de jeu. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ils s'en sortent bien, hein, parce que ils prennent quand même des risques, les gars. Ils ont quand même pris beaucoup de risques, les Anciens, dans ce match. Les relances dans l'axe et tout. Nyeri qui centre. Kouassi qui. Sembeso, pardon, qui repousse. C'est terminé, on est qualifié les gars pour le prochain tour de cette Coupe de la Ligue, victoire 2-0 avec un but à la 13e minute de Fulgini et un but à la 17e minute de Del Castillo. Voilà, 12 tirs à 3. Ils n'ont pas été vraiment dangereux dans l'ensemble dans ce match Nancy. Donc c'est tant mieux pour nous. Orléans qui claque un 5-0 à Sochaux. À Sochaux en plus. Clairement qu'ils n'ont fini plus, ils ont encore gagné. Allez, conf d'après-match, cette large victoire. On a gagné 2-0, c'est pas non plus une large victoire. Satisfaction pour mes joueurs. Bravo, vous avez supplié le match. Que s'est-il passé en seconde période? On est tourné vers le prochain match. On mérite ce résultat, je vais mettre. Minouga était l'un des meilleurs. Est-ce qu'il est difficile de percer la défense? Je vais mettre, c'est un bon joueur. De rien, de rien. Del Castillo, celle de la défense adverse. Non, sinon voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé ce deuxième épisode de la carrière manager en Dominos League avec le Paris Saint-Germain. C'est gaffe, faites-moi savoir avec un pouce bleu. Et surtout, dites-moi quel joueur acheter. Voilà, il nous reste encore un petit peu de mercato d'été. C'est Nadrax, prenez soin de vous. Ciao à tous.